Tiens, bah, puisque l'occasion se présente, nous sommes avec Jean-François, hein, que nous venions de rencontrer sur la brocante du Paty. En plus, il est grand pour moi, faut que je l'aime. Bonjour à tous. Bon, alors, Jean-François, toi, tu es une société de drones, alors, bien connue dans la région. Tout à fait, j'ai une société de drones qui s'appelle Photo Sky Drone Solutions et qui, en fait, permet de faire des photos et vidéos aériennes des particuliers, des entreprises, aussi bien pour les administrations, les églises, les toitures, enfin, toutes ces choses-là qu'on peut faire maintenant et qu'on peut découvrir du ciel qui est beaucoup plus joli que de voir au sol. Voilà. Et on découvre hein, plein de beaux endroits vus du ciel. Ah, on découvre des endroits magnifiques. Le Perche en est truffé de joyaux de cette façon-là. Et donc, ce qui me permet d'avoir quand même beaucoup de sites intéressants à regarder, à pouvoir, j'allais dire, sublimer, voilà, du haut du ciel, et qui permet de faire découvrir aux gens la région et puis tout ce qui se concerne Nogent-le-Rotrou et ses alentours. Voilà. D'ailleurs, on a vu des très belles images l'autre jour du château de Nogent-le-Rotrou. Tout à fait, des très belles images du château de Nogent qui m'ont valu 9000 vues en 48 heures et que j'ai même des personnes qui m'ont contacté en MP pour justement me demander où était ce château pour pouvoir aller le visiter tellement elles avaient trouvé des images tellement belles. Voilà. Ça prouve que effectivement le drone c'est une bonne solution pour faire connaître les régions. Tout à fait, c'est une bonne solution. On voit vu du ciel, on a une vision totalement différente. Le lieu est sublimé et ça permet de découvrir tous ces lieux-là avec les alentours et de façon à améliorer les images et de pouvoir monter un petit montage vidéo qui permet de faire découvrir ce lieu et qui est si magnifique puisque on a le dernier château à tour carré qui existe dans la région. Voilà. Alors on peut dire que si quelqu'un est intéressé pour faire appel à toi, il t'appelle, c'est toi qui fais la demande auprès de la préfecture. Voilà, il fait appel à moi, je fais une demande à la préfecture qui envoie et à la gendarmerie et à la mairie et à la fois à la DGAC. Et sous 5 jours, si on n'a pas de retour négatif, eh bien on peut justement voler à la date prévue qu'on a désignée. Et on a une période quand même de 5 jours différents, puisqu'on est tributaire de la météo, donc si la météo n'est pas bonne la journée où on doit voler, on a quand même les 5 autres jours pour pouvoir voler. Voilà. D'accord. Ah oui, ça laisse une marge. Hein. Ça laisse une marge quand même. Alors s'il y a des gens qui sont intéressés hein, pour te contacter, on peut te trouver sur Facebook. Hein. On peut te trouver sur Facebook, sur Photo Sky Drone Solutions. On peut me trouver sur mon site internet photosky-du6drone.fr. Voilà. Et vous pouvez me trouver sur Facebook au nom de Jean-François Delafaye, donc directement sur Facebook en MP. Voilà. Eh bien merci Jean-François et on invite tout le monde à prendre contact avec toi pour avoir de très belles images du Perche. Merci, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt.